Destroy the evidence. Hey, voyage sur la Nisutlin. Nisutlin. 2007. Avec Pierre, Raphaël et Alexis. Et Jean-François derrière la caméra. Pierre, c'est sa première voyage au Yukon depuis 23 ans. Avec maintenant Raphaël et Alexis, qui ont 18 ans et qui, à l'époque où Pierre était ici, n'était que... Même pas conçu. Il n'était même pas dans ses pensées impures. La seule chose que je peux dire avec le Yukon et les enfants, c'est que s'il n'y avait pas eu Angélune, hein? J'aurais jamais eu envie d'avoir d'enfants. T'entends ça, Angélune, là? Bon. Fait que reviens pas au Yukon si tu veux pas avoir d'enfants. Oh, man. C'est trop beau. Regardez le beau ciel rose et le beau feu. On a vu un caribou sur la rivière. On est parti il y a environ quoi, 3 heures du boat launch de Nisutlin. Celui est venu nous mener et puis on a pagayé pendant environ 1 heure et demie avant de trouver une place pour campé, et puis c'est un caribou qui nous a montré la place. Et, alors, il fait un temps superbe. Et demain, il est supposé de faire encore un temps incroyable, 27 degrés. Alors, on arrête là. C'est le matin! 6 heures du matin, tout le monde est debout. Wouhou! On va se souffler. Un miracle. Petit café au bottom du matin. All right. Petit arrêt pipi et lunch. Snack. C'est environ 10h30 du matin. On a fait un bon bout. On est parti à 8h30 du camp. Et puis la rivière est super belle. Le ciel est bleu. La mer est verte.